nous voyons des vies en difficulté, des personnes en attente d'avoir du sang pour poursuivre. Et ça peut être nous-mêmes. Pensez aux femmes qui sont en attente d'accoucher. Pensez aux enfants qui viennent de naître. Pensez aux personnes âgées. Pensez aux personnes qui nous défendent, nos soldats. Évidemment, chacun peut être en difficulté et chacun peut être dans le besoin. Il faut que nous puissions, dans les institutions, dans les entreprises, dans les associations, dans les partis politiques, il faut que nous puissions nous mobiliser pour, évidemment, que le sang attende le malade. Dans le passé, quand j'étais dans le besoin de sang, ça n'a pas été facile. On a fait plusieurs villes, on n'a pas pu le trouver du sang. Finalement, c'est mes parents qui ont donné du sang avant que je puisse en bénéficier. Donc pour moi, c'est capital, hein. C'est un engagement personnel. Et je donnerai mon sang toutes les fois que c'est possible. Donc j'encourage tout le monde, toute personne adulte à donner son sang. Ce camion, c'est un instrument très important pour le don de sang, parce que j'ai remarqué que d'abord il est tout neuf, tout propre. Il y a une cabine pour prendre les informations sanitaires. Il y a 4 places pour recueillir le sang. Il y a l'endroit où après avoir pris le sang, on s'assoit pour récupérer un peu. Et tout est fait dans une ambiance très propre, climatisée. Vous avez un personnel varié à l'intérieur qui vous assiste, les outils, les instruments utilisés, l'hygiène, la propreté, les éléments vidéo que vous regardez au moment où vous êtes en train d'être servi. Enfin, c'est une excellente chose que d'avoir un instrument aussi important pour le don de sang. C'est ma première fois et j'en parle avec enthousiasme parce que je compte bien devenir donneur régulier. Donner son sang, c'est faire forcément une action positive.